Tu sais, mademoiselle Agathe, je crois qu'elle est en colère. Pourquoi? Elle aime pas trop qu'on gaspille la nourriture. Et toi, pendant 2 jours, tu vas faire quoi? On m'envoie écrire un article pour faire de la pub à des nouvelles chambres d'hôtes. À mon avis, ils ont dû contacter plein de sites, on en trouvait un qui accepte, quoi. Puis on s'est dit que l'article serait plus complet si le rédacteur venait tester lui-même les services de la maison. Pourquoi vous avez ce projet? On avait juste des amis communs qui se sont lancés là-dedans et qui nous l'ont vivement conseillé. C'est la maison de Monsieur Pierre, un héritage familial. Et puis, ben, on a pensé que ce serait pas mal d'utiliser la maison pour louer les chambres. Vous êtes notre premier invité. Vous pouvez bien rester jusqu'à demain. 3 jours, c'est pas grand-chose. Les machines, elles tombent en panne. À chaque fois qu'elles viennent ici, elles tombent en panne. T'as pas entendu? Il faut pas qu'ils sachent que je suis ici. Ils veulent pas que les employés parlent avec les clients après le service. Compenser le manque en cuisine, ce soir c'est double ration de soupe. C'est une soupe à quoi? Le chou navet, comme on dit. Le rutabaga.